Je dis à nous dans la phase qui est plus belle là, parce que c'est là où elle fait connaissance ensemble avec Dashboard Amazon. Et nous connaissons depuis l'histoire fin approuvé, ou à gagner accès ensemble avec un dashboard comme ça. Et puis souvent, pour la parole même j'ai avec Pamnan, parce que Pamnan, li gagnant, gagne vente qui fait sous lui déjà. Et ou même ou pas jeune pour l'an différent. Mais pour que moi clarifie pour vous, souvent pour avoir joint ou gain deux et partie là ou gain pour même pour accomplir ou bien deux tâches ou bien deux tasks ou gain pour que ou accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Première c'est taxe information. Ça veut dire ou a gain pour que ou entre dans partie taxe information et puis ou a remplir. C'est pas compliqué du tout, c'est un formulaire ou a seulement remplir formulaire pour signer dans la donne ou OK. Et puis deuxième là c'est confirmer compte bancaire que ou a mettre sur amazon.com et puis troisième là c'est confirmer adresse. Après ça on prend dashboard comme ça. So, nous pas faire un petit débat sur dashboard là pour montrer comment elle fonctionne et qui sont besoin qu'on ait des liens et tout ça on doit mettre en évidence. OK, premier bagage pour connaître dashboard Amazon là, là on capable voir c'est logo Amazon là. Ça veut dire quel que soit côté taille sur Amazon là, OK, ou tu as perdu, depuis seulement jeune logo ça cliquer sur lui, la voyo exactement sur dashboard Amazon. Deuxième bagage on connaît là c'est côté qui marqué sel. Ça veut dire pour jodi la mon est en vente pour $118. Et on pas connait combien produit m'est en vente jodi mais vente pour $118. OK, well. Là on pourrait que yo bon quantité marketplace ou même les store là à peine approuvé ou a facile gain 3 marketplace qui produit yo ka vendre sur. Là on voit c'est quantité order que moi gagné pendant moment yo là. C'est pas pendant jour non, il gain doit arriver pas pour jour hein, mais c'est order que Amazon doit pas couvrir y aller pour moi, yo gain doit toujours là et plus ça moi gain qui vendre pendant jour. Là c'est si yo écrit un message et yo moun a acheté un produit sur store ou yo moun te acheté un produit et puis il vient écrire un message pour le faire connait un bagage là message là monté et puis Amazon a fait connait que ou grand message sauf le cliquer pour un message moun non cliquer là et puis ou ka rentrer dans partie côté pas moun nan ya pour capable joindre message là. Là c'est côté ou capable gain possibilité pour nan ki niveau buy box ou en buy box là n'a gain pour nous wè ça puis devant que ça qui en buy box. Là on capable prendre total l'argent. Ça veut dire souvent comme si Amazon moi li a 350 dans moment, OK, moi à peine touché, l'être ou à peine touché parce que Amazon paye chaque le 15 ou bien chaque 15 jours. C'est pas chaque le 15 dans mois non, c'est chaque 15 jours le paye. Ça veut dire si vous un produit qui te vend un jour qui lundi ou bien l'autre qui vend un jour qui mercredi ou bien jeudi, ça vend lundi avec ça vend mercredi, il pas tombe ou pas besoin comme ça au même jour. Ou a besoin comme ça au chaque sous 15 jours, OK? Ça veut dire ça veut me dire c'est chaque sous 15 jours li payer. OK, admettons que ou compte tout petit parti ça yo, que l'autre bagage comme besoin monter dans dashboard là, là ou capable voir si gain information, si gain produit pour renouveler, ou capable voir Amazon toujours boy un feedback de yo. Et ensuite, ça besoin qu'on ait là c'est qu'on peut rentrer dans paramètres là, OK, si vous cliquez là c'est là où on a une possibilité pour que on fait quelques changements dans store si tout fort d'avoir fait quelques changements tant que ça si par exemple on t'a voulu changer et routine number avec account number de mettre hein on a besoin aller dans partie ça si par exemple on t'a voulu changer visa ou bien master card côté mettre hein un jour on a pour aller dans partie ça et ensuite qui sont besoin si par exemple on t'a voulu changer compte ou en individuel pour aller professionnel ou bien des professionnels pour aller individuel ou après pour aller dans partie ça là et puis les que ou rive là la voyons son dashboard comme ça l'elle son dashboard comme ça ou après pour entrer côté marqué celle en Amazon là et puis ou va mettre sous individuel et puis ou va descendre puis bas ou va cliquer sur apply changes sur so, le cliquer sur lui laisse ça à 40 ou va descendre dans individuel. Et idem tout soutenir dans individuel ou voulez monter dans professionnel, c'est même bagaille là ou bien pour faire. OK, moi estime que nous comprendre petit parti ça. Ba me font petit bac et puis là encore que le bagaille me ba montre, si par exemple ou t'a voulu changer business
ou adresse, là, on est capable de changer adresse return. Qui ça qui a une adresse return sur Amazon? Si par exemple, ou devant un produit, bah, Amazon qui est pour vous, et puis, produit ça pas à vendre, ou bien, yon consommateur achète, vous voulez le tourner, produit à ta craser, eh bien, adresse ou vous mettez là, c'est la donne Amazon a utilisé pour le produit en tourner bas. Et si vous portablez fermer account là, là, à bonne possibilité pour cliquer sur close account, vous êtes capable de fermer account là. Et si vous avez un monde permission ensemble avec compte, là, vous êtes capable de possibilité pour un monde accès ensemble avec. Qui n'a pas un monde accès ensemble avec? Ou capable un accès ensemble avec, par exemple, si vous avez un monde travail ensemble avec sur Fiverr, il vous a accès ensemble avec store, ou capable accès avec un partie dans store pour qu'il soit capable de chercher produit pour vous et rendre capable de jouer un produit qui tout activé sur store là. Et comme ça, tout le cas, tout activer produit en pot. Ok. Et qui ça encore va montrer nous? Nous parlons pas de la partie ça. La partie ça, c'est là où on est capable de joindre toute information qui gagne sur produit. Par exemple, là, c'est là qu'on a ajouté un produit. Là, on clique sur là. La volume pose, la volume dans l'espace côté moins pral capable d'ajouter un produit. Pour ajouter un produit, puis devant, on va bien pouvoir comment on est capable d'ajouter produit sous stop là très facile. Deuxième bagage encore a besoin qu'on ait là qui c'est parti inventaire, c'est là pour fin ajouter un produit là et pour sous besoin voir produit après 10 minutes, ou va venir là, on va aller dans manage all inventory, là on a gain possibilité pour voir tout produit ou vle ou gain sous store là ou bien ou t'es à peine listé. Et là ça, on a gain possibilité pour voir yo, OK, sans que ou pas gain difficulté. Si par exemple vous finissez ton produit et vous l'avez checké là après 10 minutes ou pas le produit, ou besoin relister produit ça encore, les gain doit pas monter dans moment de lister là. OK, là qui grave avec pricing, so ça li pas trop important, n'a quitter toujours. Là qui grave avec order, c'est là où on gain possibilité pour capable voir order ou gagner pendant moment yo. Par exemple, si je clique sur là, la volume sous dashboard côté me capable manage order mieux. Par exemple, je dis pendant 3 jours là, me gagne 8 order parce que dans moment là, me pas bien plus order, et bien OK, ça passe ou après que tout ça c'est produit me gagne qui vend dans moment là pendant période ça là. OK, me gagne produit qui gagne 7 temps depuis le vendre, produit qui gagne presque un jour, gagne produit là tout qui gagne environ 2 temps, gagne produit qui gagne 21 5 temps et ou après comment yo vend dans moment là. OK, si par exemple ou ta fait FBM, ou t'as besoin de produits gain qui vendent sous FBM, ou ap gen pour cliquer dans partie ça là qui marque view et puis la voyo là. Là ou après que m'pa gen aucun produit pour FBM, raison qui fait m'pa gen c'est parce que moi pas liste produit sous FBM, tout produit honnêt c'est Amazon moi bay kembe yo pour moi. Très très simple. Et là que ou gen là, si par exemple ou t'es gen t'envoyer produit en bay moun nan, ou t'as besoin de checker une information si bon il est passé, ou ap cliquer dans partie ça marqué ship là et puis la bonne possibilité. Ba montre ou ki quantité produit m'gen, m'te kon faire ba m'aller dans 365 jours, yo t'a supposé montrer m quelques produits que moi-même m'te kon voyer bay moun directement, m'te kon faire ça créer les FBM ensemble avec yo sans que moi pas faire FBA ensemble avec. Bon, m'pa gen pile produit pendant dernier moment ça ou là, mais ça c'est produit m'te forcé FBM ensemble avec vous pendant que vous avez un problème pour me faire FBA ensemble avec vous. Donc, so, m'estime que nous comprenons partie ça qui a rapport ensemble avec Manage Order. Qui est encore qui est important, c'est partie paiement. Vous avez besoin qu'on ait information de lui. Donc, so, les que ou bral toucher, c'est là où vous avez possibilité pour que vous ayez toute information qui a rapport ensemble avec paiement ou sous Amazon. Bon, si c'est comme ça, dashboard là, il est reparti. C'est consalié, tout le monde a même dashboard ensemble avec vous. Pas inquiète, tout le monde a même dashboard ensemble avec vous. Et ou même tout, vous a même dashboard ensemble avec vous. L'article, ça, c'est lui-même qui faut connaître qui produit, qui vend de temps en temps, qui produit, qui vend avec chaque jour, ok? T'as aujourd'hui en 5, nous avons ma record de vidéo à 5, je dis, je me vends pour $104, $127, je me vends, et puis je dis, je me vends pour $118. Ça veut dire chaque jour, moins gain en quantité cob, moins fait pendant jour, ok? Imagine aussi chaque jour, je me vends pour 100 combien de dollars, eh bien, pendant 30 mois, je vais vendre produit pour 3 à 4 000 dollars, il pas un problème. So, et comme ça, tout, des fois, je vais vendre plus. Ça va dépendre des quantités de produits que moi-même,
moi gain sous storm là. OK, bon c'est là nous que t'as gain une idée de dashboard Amazon là, c'est comme ça pas nous présenter et dans prochaine vidéo nous va montrer comment vous ajouter premier produit et joindre premier produit tout comment vous ajouter produit sur Amazon sur page Paulan sans que vous pas gain pièce difficulté. OK, n'a croiser dans nouveau vidéo. Ciao ciao.